Bonjour Edwige. Bonjour Corinne. Bonjour les filles. Bonjour à toutes. Edwige, tu es psychothérapeute, oui. Massothérapeute. Oui. Aujourd'hui, je te propose de répondre à la question de Sophie qui se demande comment on fait quand on ne comprend rien à la vie. Large question. Ce que je pourrais te dire, c'est que au final, tu dis que tu n'as rien compris à la vie, mais je pense que tu as compris certaines choses à la vie. Et justement, ton questionnement veut dire qu'il y a certaines choses que tu n'acceptes plus, que tu ne veux plus. Et en gros, tu es en train de faire le tri. Et c'est très intéressant et très important pour toi, finalement, de mettre ce constat-là, parce que c'est à partir de ce constat que tu vas pouvoir faire une autre chose dans ta vie. Une ère s'ouvre à toi. Alors, je t'invite vraiment là, à ce moment-là, de te faire aider parce que c'est compliqué, ça va être un peu complexe, parce que faire le tri, le bilan et autres, on ne peut pas le faire tout seul. J'entends quelques petites voix qui viendraient nous dire « Oui, c'est vrai, elle a 42 ans, c'est le moment du bilan. » Non, on n'est pas obligé de faire le bilan à 40 ans ni à 50 ans. C'est juste que je pense qu'il y a eu des événements, alors je ne te connais pas assez, j'ai pas assez d'éléments, mais je pense qu'il y a eu des éléments dans ta vie qui t'ont bousculé et qui t'ont amené à faire ce constat qui est aujourd'hui, je dirais, le début d'un commencement encore plus merveilleux que ce que tu as connu avant. Donc, vite, fais-toi accompagner. Peu de temps ou beaucoup de temps, mais c'est une nouvelle ère qui s'ouvre à toi. Fonce. Super. Merci Edwige pour tes réponses. Sophie, j'espère qu'on a répondu à tes questions. Oui. Les filles, si on a bien écouté les précieux conseils d'Edwige, eh bien en fait, quand on se pose ce genre de questions, oui, c'est que finalement, on comprend plus de choses qu'on en a l'impression et qu'il est peut-être tout simplement temps de prendre un nouveau départ. Exactement. Super, merci à toi. Merci Corinne. Les filles, si vous avez d'autres questions à nous poser, laissez-nous un message sur www.secretdefille.tv ou sur la page Facebook de l'émission. Merci beaucoup Edwige. Merci Corinne. À bientôt. À bientôt. Au revoir les filles. Au revoir.